Je trouve que t'as un air de Van Gogh avec le chapeau. Un petit peu là. Oui. Alors le style de Van Gogh, je pense pouvoir dire que c'est le plus difficile que j'ai eu à faire. En même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant? Le mec est un génie de la peinture et moi j'essaie de faire pareil. Eh Vincent, c'est faire ça? Non, on est limite? Ok, pardon. Ça va, on déconne. De toute façon, il aurait jamais compris la blague vu qu'il l'aurait pas entendu. Non, plus sérieusement, je le répète, vraiment, j'ai jamais autant galéré sur un dessin. Les notions de lumière et de couleur chez Van Gogh, mais c'est juste n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il avait dans la tête, mais bordel, tous les mélanges de couleurs qu'il faisait, c'était hyper cohérent. Lui, en fait, c'est pas qu'il maîtrisait la théorie des couleurs, c'est qu'il en a inventé une autre. Quand tu regardes ses peintures dans le détail, tu te dis, mais ça peut pas marcher, c'est impossible. Et bah, en fait, si. Il y a des gens comme ça qui sont surdoués et qui voient des choses que nous, on voit pas. Et bah, je suis sûr et certain que Van Gogh, c'était un mec comme ça. En vrai, je suis assez content du résultat par rapport à la complexité du sujet.